Évolution joyeuse. La méthode du pivot vous aidera à transformer votre perspective négative en une capacité positive d'attirer ce que vous désirez. Voici comment procéder. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, prenez conscience que votre système de guidance interne vous communique deux choses importantes. En premier lieu, vous voulez quelque chose, autrement vous n'éprouveriez aucune émotion. En second lieu, vous ne dirigez pas votre attention sur ce que vous désirez, mais dans la direction opposée. Cela étant identifié, affirmez à votre intention « J'ai le sentiment de vouloir quelque chose d'important, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que je désire au juste ?» Vous pouvez poursuivre votre réflexion en vous demandant « Pourquoi est-ce que je désire cela ?» Méditez sur la nature de ce désir et sur la raison pour laquelle il s'est formé. Visualisez-vous comme si vous aviez déjà obtenu sa réalisation, soit en étant ce que vous désirez être, soit en ayant ce que vous voulez avoir, ou soit en accomplissant ce que vous souhaitez faire. Poursuivez la visualisation jusqu'à ce que vous sentiez une émotion positive monter en vous. Plus vous approfondirez ce processus, plus il sera facile à maîtriser et plus le pivot surviendra rapidement. Dès l'instant où vous vous sentirez mieux, vous saurez ou reconnaîtrez avoir réussi à accomplir un pivot. De ce fait, vous aurez plus de facilité à discerner comment vous vous sentez et vous découvrirez d'autres occasions d'effectuer un pivot sans qu'il y ait toutefois autant de choses attisant votre désir. L'aptitude à pivoter d'un point de vue à un autre vous permettra de vous sentir dans un état émotionnel constamment positif. Vous serez donc en permanence dans un état d'être magnétique, attirant seulement ce que vous estimez être bon pour vous. En outre, votre sensibilité à ce que vous ressentez vous amènera à percevoir intuitivement les choses vraiment importantes dans votre vie. Chaque nouveau pivot vous fera ainsi voir plus clairement ce que vous voulez et vous en rapprochera chaque fois davantage. Certains ne comprennent pas très bien en quoi consiste cette méthode du pivot. Ils croient que nous leur suggérons de trouver quelque chose qui, de toute évidence, ne va pas et d'affirmer que tout va bien à cet égard. Ou encore que nous suggérons de regarder quelque chose de blanc et d'affirmer que c'est noir. Ce n'est pas ce que nous entendons par pivot. Faire un pivot vous aide à découvrir ce qui est le plus important pour vous et vous met dans un état d'être permanent grâce auquel vous attirez uniquement ce que vous désirez. Cette méthode vous donne la possibilité d'évaluer tout ce qui se passe en vous et de déterminer vos désirs sans cesse changeants. Elle vous permet de reconnaître que, lorsque vous éprouvez des émotions négatives, vous attirez à vous des choses indésirables et de décider alors en toute conscience de cesser ce comportement et de commencer à émettre plutôt une force d'attraction positive. Ce processus vous aide également à transformer vos pensées, vos paroles et vos actions, entraînant dès lors une réaction émotionnelle différente. Grâce à cette méthode, vous rassemblez l'énergie mal dirigée que vous aviez opposée à ce que vous vouliez et la réorientez uniquement dans le sens voulu. Vous changez alors la direction de votre force d'attraction et ramenez l'équilibre à l'égard de vos intentions véritables. Le but est de devenir conscient que, si vous ne vous sentez pas bien en ce moment, c'est que vous ne pensez qu'à ce qui vous fait défaut ou à ce que vous ne voulez pas. Ainsi, à l'affût des occasions d'identifier ce que vous désirez, vous avez en main la clé qui vous mènera à la vie productive et joyeuse à laquelle vous vous destiniez avant d'émerger dans ce corps physique. Il est important de saisir le sens profond du concept du « devenir ». Vous êtes sur Terre pour vivre chaque instant de chaque jour dans la joie,
tandis que vous assimilez les multiples expériences de la vie. Au lieu de laisser le mécontentement et l'insatisfaction vous gagner alors que vous êtes en route vers de meilleurs lendemains, soyez un être libre et joyeux, persévérant sur son chemin de créativité. Même si bien des choses désirées ne se sont pas encore manifestées, l'idée est de les anticiper dans la joie et d'apprécier vraiment chaque instant du voyage menant à leur manifestation. Une fois que vous avez compris le concept, vous êtes alors dans un état de devenir jovial et réduisez le temps nécessaire à leur obtention tout en vous amusant. Le fermier qui sème une graine de tomate sait pertinemment que sa création est sur la voie de la réalisation, même s'il ne peut en voir la preuve immédiatement. Il laisse aux lois naturelles le temps de faire leur œuvre, alors que la petite semence grandit et mûrit jusqu'à devenir une savoureuse tomate. Prenez conscience que vous êtes le créateur de votre réalité. Vous avez le plein contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. En évoluant dans la joie, vous amènerez à vous, par vos pensées, vos paroles et vos actions, précisément ce qui correspond au sentiment que vous nourrissez. La combinaison de ce que vous pensez, dites et faites avec ce même sentiment déterminera votre pouvoir d'attraction. C'est ainsi que vous attirerez les gens, les expériences, les événements et les circonstances positives qui façonneront votre vie d'instant en instant, jour après jour.